Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de GR Motors. Donc aujourd'hui on va traiter un sujet, on va traiter le sujet de l'étamage, sur l'Alfa Romeo. Donc comme vous le savez, ce véhicule là on l'a entièrement décapé et tout. On a changé la pièce ici, donc la face avant. Et en fait les raccords de tôle sont faits en étamage. Eh bien écoutez, on va regarder ça avec Anthony, il va vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Allez, tout de suite, générique. Donc en fait au niveau de ton étamage là, donc la procédure en fait, comment tu fais? Premièrement, on met le métal à nu, à blanc, bien propre. Il faut vraiment que le métal soit nickel. Nickel chrome, bien brossé. Ensuite on applique la pâte à étamer. En fait, comme il disait juste avant, là il a mis la pâte à étamer. Et là maintenant il va chauffer la pâte à étamer pour la faire réagir avec la tôle. En fait, c'est une sorte de désoxydant, ça prépare la tôle, ça enlève tout le gras, tout l'oxyde, ce qui va permettre évidemment à l'étain d'accrocher fort en fait. Et ça met une petite pellicule d'étain. D'accord. Comme ça, l'étain, il va se mélanger à l'étain qu'on dépose dans la pâte. Et ça permet une accroche instantanée et surtout une très très bonne accroche en fait. Alors là, comme vous vous en rendez compte, avec la pâte étamée, à faire à mesure qu'il l'essuie et qu'il a... la brosse, on voit ça dépose une fine couche d'étain, donc je sais pas si vous allez bien l'apercevoir à l'image, mais en fait la tôle elle devient brillante parce qu'en fait il y a une couche d'étain qui est en train de se déposer en surface, qui va permettre l'accroche de l'étamage qui va suivre. Alors là sur cette vue là vous voyez, on voit très très bien la réaction de la pâte à étamer Donc en fait comme il le disait tout à l'heure Anthony, ça dépose une petite couche d'étain. La pâte à étamer, en fait, là, je voyais, tu chauffais, en fait, mais en fait, tu as une température respectée. J'ai vu, tu fais ça un petit peu au feeling. Ouais, en fait. C'est à l'œil, en fait. Dès qu'il faut pas le cramer, faut que ça chauffe un peu. On le voit à l'œil dès qu'il devient brillant. Dès qu'il devient brillant, ouais. Faut pas trop chauffer parce qu'après, il crame et là, c'est fort commencé. D'accord. Et puis après, ça, ouais. Ça, c'est l'étape cruciale. Si l'étape de la pâte à étamer est mal faite, ça sert à rien, faut tout recommencer. Ouais, ton étain derrière, il accrochera pas. Ouais. Et une fois que toute la zone est prête à étamer, on applique l'étain. On voit aussi en disposer l'étain, tu sais, comme si c'était des gros paquets, parce que ça fait un peu grossier comme travail, mais ça c'est normal en fait. Ouais, on pose l'étain et on lisse qu'une fois qu'on l'a posé à peu près partout, parce que si on essaie de le lisser tout en le posant, c'est trop long, c'est trop compliqué, on fait n'importe quoi, donc vaut mieux mettre des pâtés, charger et après on vient lisser tout. Et là, ouais, j'ai vu qu'avec tu le lisses toi avec un petit morceau de bois. Ouais, ouais. Et là, en fait, quand tu passes le chalumeau dessus, en fait, c'est pour. Ouais, alors, on met de la graisse à souder sur le bois pour éviter qu'il colle. Sinon, l'étain colle sur le bois. Donc, c'est juste une petite graisse. Moi, je la chauffe. Je sais même pas si c'est obligé, mais bon, je la chauffe. Et après, comme ça, au moins, quand on applique le morceau de bois, il colle pas. D'accord. Et puis après, là, on voit le geste là. Là qui est assez délicat en fait parce que Là la zone elle est assez compliquée, il y a des angles, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, mais bon. Là pour l'exemple c'était bien parce que c'est vrai que là il y a une forme assez complexe en fait, c'est ce qui fait le raccord de ta face avant avec ton aile. Et là effectivement plutôt que de le faire au mastic, tu le fais à l'étain comme c'était fait. Comme à l'origine, voilà. L'origine c'était exactement comme ça. À l'époque c'était fait à l'étain. Ouais, on refait comme à l'origine.
Non, bah non, mais donc là maintenant que tout a été étalé, enfin que tu as tout étalé et tout, là maintenant tu vas passer à l'étape, maintenant tu vas râper. Ouais, et... Là je dégrossis, je râpe, je ponce, et puis vous allez voir, c'est. Et après c'est la finition. Voilà. Enfin, on peut remettre un petit mastic par-dessus s'il y a des petits défauts, mais voilà, quoi, c'est nickel. Ok, bah écoute, merci de ton explication, Anthony. Et puis voilà. Je repasserai tout à l'heure pour faire voir le final, comme ça on verra toute la progression de ce que tu as fait. Ouais. Merci Anthony. Ouais. Alors donc là on est sur le côté où Anthony en fait, vous l'avez vu, hein, où il a fait toute cette partie-là en étamage. Donc comme je vous disais juste à l'instant, hein, en fait Anthony, là, l'avantage d'étamer par rapport à du mastic, qu'est-ce que ça nous apporte en fait? Bah, de la solidité déjà, parce qu'en cas de choc, l'étain il se déforme comme de l'acier en fait. C'est vachement plus costaud que du mastic, le mastic il casse, et dans le temps ça ne travaille pas, ça reste comme il est actuellement. Ouais, et puis en plus, je pense qu'on peut se permettre de mettre des épaisseurs plus importantes. Et voilà, ouais. On peut charger en épaisseur, ça ne changera rien, ça ne travaille pas dans le temps. Quoi. Que le plastique, le problème, c'est qu'il a tendance à se rétracter, à travailler. Quoi. Ouais, c'est ça. Puis de toute façon, à l'époque, hein, sur ce type de véhicule-là, il faisait entièrement tout en étamage. On en refait comme à l'origine, en fait. Ouais, bah ouais, comme on t'a vu juste avant, là, toute la procédure. Parce que là, du coup, on a deux tôles superposées. Donc si on met un mastic, forcément au niveau de la jonction, ça casserait dans le temps avec la caisse qui travaille en roulant, en prenant des bosses. Là au moins l'étain, on est sûr que ça ne cassera pas, ça ne bouge pas. Ouais, l'étain l'étain en fait il va suivre la déformation, voilà. Et puis comme ça on n'aura pas de problème de craquelure ou quoi que ce soit. Quoi. Ça ne bougera jamais. Eh bien les amis, cette vidéo sur l'étamage se termine. J'espère que les petites explications et les petites illustrations que je vous ai données vous auront plu, hein, et vous auront permis aussi de voir un petit peu comment on travaille nous chez GR Motors en tôlerie. Hein, donc voilà, hein, ce qu'on recherche c'est vraiment de respecter l'origine et surtout de respecter les gens qu'on créait et qui travaillaient à l'époque sur ce type de véhicule. Hein, eh bien écoutez, comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça fera plaisir. Hein, et surtout, n'hésitez pas, hein, abonnez-vous, partagez et likez. Je vous dis tchuss !